Enfin, on est arrivé à Hull. Waouh, c'était non sans peine et c'était pas du tout comme prévu. Tu peux aller voir l'épisode précédent où j'explique tout ça, les liens sont là ou dans la description. Maintenant, il me reste à rejoindre l'Écosse, j'ai prévu quelques jours de route pour ça, pas trop, puisque le but c'est évidemment de visiter l'Écosse. Tout de suite, quelques images et c'est parti. C'est assez magnifique, superbe falaise de calcaire, une mer pas trop déchaînée, en fait il n'y a absolument aucun vent, ce qui est cool parce que je vais pouvoir lancer le drone. Alors j'ai pas pris la roue aujourd'hui, enfin pas pour cette balade en tout cas, déjà parce que comme tu peux le voir, niveau sentier, c'est pas forcément fait pour utiliser la roue. Et je viens de passer 2 jours quasiment dans le van à conduire, donc j'ai un petit peu envie de me dégourdir les pattes aussi. On va aller visiter la ville et essayer de me trouver des cache-oreilles parce que je n'ai pas emmené les miens, je ne les ai pas trouvés, ils sont restés quelque part dans le déménagement. Donc, mission cache-oreilles et visite de la ville avant de continuer. No, I can't.
Est déjà sortie par temps humide et elle est déjà un petit peu cradouille, autant dire que ma veste en a pris au moins autant. Donc on va voir pour arranger ça avec un petit garde-boue de fortune. Ça y est, le garde-boue est monté, je vais faire un petit tour sur le parking déjà bien gadoueux. Eh bien, ma foi, ça a l'air pas trop mal. Je viens quand même de penser que si jamais il pleut, je vais avoir bien du mal avec la protection qui pluie. Bon, bah, on va tout avoir. De cette petite balade bien gadoueuse, il faut l'avouer. Alors dès qu'on quitte les routes, c'est une catastrophe, c'est de la gadoue, c'est glissant, mais c'est même pas la peine d'espérer. Par contre, c'était plus que parfait pour tester l'efficacité du garde-boue qui n'a absolument pas faibli. J'ai absolument rien sur ma veste et tout est resté sur le garde-boue, donc impeccable. Très bon bricolage, à pas cher, comme quoi. Des fois un peu de système D et du scotch et on est parti.